chaise et je viens. Entre tes reins. Bonsoir. Ce soir, j'ai choisi de vous lire un extrait du roman de Marissa Rachel, un auteur pour qui j'ai eu un coup de cœur. Ce roman s'appelle « Outrage » aux éditions Hugo Roman. C'est l'histoire donc de deux personnages plutôt névrosés. Rose est une femme libre, indépendante, torturée, traumatisée, qui s'est construit une carapace de survie. Elle fuit l'amour par peur de l'attachement. Et lui, Alex, pour qui elle tombe amoureuse, est un artiste paumé, un je m'en foutiste tout aussi névrosé qu'elle. Ils vont vivre une passion destructrice où Alex la guide, la commande, la déconstruit, la fabrique et la façonne. Et puis, elle va donc essayer de noyer ses maux dans la seule addiction qui lui permet d'échapper à la douleur, le sexe. Nous arrivons enfin dans la chambre d'hôtel. Il pose sa valise dans l'entrée. Il ferme la porte. Il me plaque contre le mur. Il m'embrasse avec fougue, appartenance et déraison. Mon corps réagit. Je me donne, je m'abandonne. Je suis une marionnette. Il tient les ficelles. Il fait ce qu'il veut de moi. Je suis une poupée, une parfaite poupée. Folie amoureuse, folie de la passion destructrice. Amour qui me détruit lentement. Mon animal se débat encore et encore, et je ne l'écoute pas. Et je me bâillonne encore un peu plus fort, et je l'étouffe, l'animal. Je le tue, l'animal. Il pose sa main sur ma nuque. Il m'agrippe fermement ses doigts dans ma chair, ses ongles qui me blessent et déchirent ma peau. Il me guide, il me traîne jusqu'aux toilettes. Il me laisse traîner comme un animal docile. La bête tapie à l'intérieur de moi se recroqueville apeurée. Il me guide vers le sol, il ne parle pas. Au sol, il y a le carrelage froid. Au sol, il y a mon corps plaqué par sa main puissante. Au-dessus de moi, il y a lui. Il ne dit toujours rien. Il défait sa ceinture, il ouvre son pantalon, il sort sa queue. Je suis toujours au sol, immobile. Lui, au-dessus de moi. Il me pisse dessus avec insolence et désinvolture en éclatant de rire. Il me dit « Tu es à moi, connasse, tu m'entends? Tu m'appartiens corps et âme. Ta vie prend un autre virage. » Je suis un animal docile et la bête, l'instinctive bête, elle, reste muette. Il me relève, je fais attention de ne pas glisser sur le sol. Il prend mon visage entre ses mains qu'il dirige vers sa queue puant le poisson crevé. Odeur forte de thon en boîte avariée. Je suce et je nettoie son sexe puant et poisseux. Je ne suis pas dégoûtée de l'odeur forte de son sexe. Il a le sexe de la bête qui dévore. Il est la bête monstrueuse. Il me fera du mal sans même en avoir conscience. Et moi je chuchote, Alex, tu ne me fais pas peur. Je le suce, je l'aspire, je l'avale, je le déguste. Il me stoppe, il relève ma tête. Il m'embrasse avant d'abattre sur mon visage une gifle qui étourdit mes sens. Il me dit « Nettoie maintenant et va prendre une douche, tu pues la pisse. » En sortant de la douche, je m'installe près de lui. Il sort son appareil photo. Il me dit « Va te mettre près de la fenêtre. » Me voilà le cœur pris au piège. Me voilà prise dans ses filets, alors que je sais pertinemment que je suis en danger. Il me photographie nue. Il photographie mon sexe, mes seins en gros plan,
Il photographie mon intimité. Il me dit... Écarte tes jambes. Écarte ta chatte avec les deux mains. Je m'expose à son objectif. Il me dit... Tourne-toi et cambre-toi. Je vais voir ton cul. Offre-toi. Excite-moi. Donne-moi envie de te défoncer. J'obéis sans broncher. Je mouille, je dégouline de désir pour le monstre à l'appareil photo. Je m'exhibe, j'attends qu'il me fouille. Il me dit... Viens ici, ma petite pute. Il est assis sur le canapé. Je commence à m'agenouiller devant lui, mais il se lève et me rattrape au vol. Il me traîne jusqu'au mur. Il me laisse debout contre le mur. Il claque l'intérieur de mes cuisses. Ma peau brûle. Écarte, m'ordonne-t-il. Il passe ses doigts entre mes jambes. Il me dit... T'es trempée, salope. Et je dégouline encore plus. Il plante ses doigts dans mon ventre. Sans ménagement, sans douceur, sans tact, sans délicatesse, il bourrine l'intérieur de mon ventre. Il bouscule mes viscères et moi, je pisse d'excitation. Je dégouline sur le sol de la chambre d'hôtel. Il me dit « T'es une salope, une pute, tu dégoulines un connasse, je vais te déshydrater. » Je pleure, les larmes coulent sur mon visage comme la cyprine sur la moquette. Il me tire une claque. Je le regarde, surprise. Je regarde ses yeux à la fois excités et curieux. Il me dit « T'as les yeux qui brillent, connasse. » Il sourit encore une fois, puis il éclate de rire. Il me tire une autre claque. Je me mets à terre. J'explose en larmes de délivrance. Il me prend dans ses bras. Il me dit « Tu sais, je n'ai jamais foutu de claque à personne. Tu es la première. Et j'aime ton regard. Tes yeux qui basculent comme un mât claque ta joue. Bordel. Je t'aime, Rose. Je t'aime. » Et voilà. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Marissa Rachel et au passage sur la mienne.